Mathieu, la réforme des retraites a animé les débats politiques ce week-end. Oui, la réforme des retraites devient-elle un serpent de mer des deux quinquennats d'Emmanuel Macron? Après le Covid, c'est la conjoncture économique qui laissait penser qu'elle ne se ferait pas dans l'immédiat, jusqu'à ce que le président admette envisager de l'intégrer au projet de loi de financement de la sécurité sociale dès cet automne. Et là, c'est dans la majorité que ça ne passe plus. Dans le Parisien, ce week-end, François Bayrou s'est dit opposé au passage en force. Il plaide pour davantage de pédagogie. Si l'on veut que la réforme des retraites prenne tout son sens et qu'elle soit acceptée, bien, il faut la conduire selon une méthode. On va renoncer aux réformes qui tombent d'en haut toutes faites et on va, c'est notamment le sens du Conseil national de la refondation, on va faire mûrir ces réformes avec toutes les forces économiques et sociales. Très rapidement, l'idée d'amender le projet de loi de financement de la Sécu par une réforme caché des retraites. Une autre voix qui compte à dénoncer l'idée. Moi, j'ai commencé mon intervention face au président de la République dans le CNR en disant, on s'inscrit dans la démarche, on prend crédit de la loyauté, il faudra qu'il y ait de la loyauté à tous les étages. S'il y a des loyautés en passant par le PLFSS, la CFDT arrêtera les discussions dans le cadre du CNR. Et tout le week-end, les oppositions, bien sûr, mais la majorité aussi, se sont montrées divisées sur la question. On ne va pas, en un claquement de doigts, régler une loi qui est une vraie arlésienne. Tout le monde en a parlé, tous les présidents de la République en ont parlé depuis 25 ans. Personne ne l'a fait. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à repousser l'âge de départ à la retraite. Il n'y a pas d'urgence à pénaliser, encore une fois, les métiers les plus pénibles. Vous êtes certains à nous dire 49-3. Monsieur Bayrou nous dit « je suis opposé au passage en force ». Personne veut un passage en force sur cette réforme des retraites. Il y aura une discussion parlementaire. Le 49-3, ça peut que être la conséquence, éventuellement. Alors Sandrine Rousseau, je ne vous demande pas votre avis sur la réforme en elle-même. On sait que vous la rejetez globalement côté NUPES. Mais non. Sur la méthode entre le PLFSS, la Sécu, le 49-3, vous tenez absolument à ce qu'on ait de longs débats et de longues périodes absolument, de blocage. Absolument, surtout que j'ai assisté aux auditions, et notamment du MEDEF, qui avait l'air de se satisfaire assez facilement d'un 49-3, et que c'est toujours un mauvais signe pour les salariés. Donc non, pas de 49-3 et surtout un débat. Et même pas un débat dans le PLFSS, c'est un vrai débat retraite. Propre à la réforme des retraites. Avant de prendre sa retraite, on travaille. Vous avez apporté des nuances. On peut aussi aménager sa façon de vivre le travail. Et vous avez évoqué, je résume, le droit à la paresse. Écoutez ce qu'en disait l'historien Pierre Nora vendredi sur notre plateau. Le travail est traditionnellement une valeur de gauche. Depuis le 19e siècle, la demande de travail, le droit au travail et syndicats eux-mêmes, tout cela, c'est une valeur conquise par le progrès de la gauche. Donc la gauche, aujourd'hui, n'est plus la gauche? Non, oui, enfin, c'est le renvers, elle est l'inverse. Le droit à la paresse, vous le comprenez? Demander aux gens ce qu'ils veulent, ils veulent du travail, et pas de la paresse. Donc, c'est une boutade. C'est pas une boutade, vous apportez donc votre nuance? Mais oui, deux nuances importantes. La première, c'est que la gauche, ça a toujours été la défense des droits des salariés, mais aussi de la diminution du nombre d'heures que l'on travaillait, au titre du fait qu'on doit rester en bonne santé, être libre, etc. Et la deuxième chose, c'est que nous avons une crise écologique, et une crise écologique majeure, et qu'on ne peut pas continuer à être dans des espèces de logiciels qui datent d'il y a 10, 15, 20 ans, où on travaille plus pour gagner plus, alors qu'aujourd'hui, il faut ralentir, il faut ralentir toute notre société, et la diminution du temps de travail fait partie de ces ralentissements. Moi, je suis pour la semaine de 4 jours, pour le partage du travail, et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi penser que si on est dans une industrie polluante, dans un métier comme, je pense par exemple, aux aides-soignantes ou aux personnes qui travaillent auprès des personnes âgées qui ont extrêmement mal au corps au bout de quelques années de travail, eh bien on doit pouvoir se reposer. Oui, on doit pouvoir se dire que là, on a besoin de se reposer pour ensuite changer de métier et du coup avoir un droit à la formation. C'est ce que j'avais notamment défendu dans la primaire. Mais là, on est dans une espèce d'enfermement dans une manière de penser où finalement, je ne sais pas comment on résout la crise écologique dans la pensée qui nous est proposée. Et on l'a vu cet été, on ne peut plus reculer devant cet obstacle-là.